faire passer les choses. Maudit pourceau. Vous cherchez des concurrents? Bienvenue dans notre tournoi, sorceleur. Hénard cherche un adversaire, ouais. Ça te tente? Hénard n'a pas l'air commode. C'est le bâtard de Lugos le dingue. Il tient de son père. Bon, on est là pour se battre ou pour discuter? Inutile de faire attendre Hénard. Messieurs, offrez-nous un beau combat. Allez, amène-toi. Beau combat! Félicitations pour ta victoire. D'autres combats t'attendent. Tu dois encore vaincre Grim Delmstein sur Hard Skellig et Valgard Kertrol. Il a... Ne semblait pas frac. Oh! Toi, il remet la taverne des grands frères. C'est ça. Bonjour, tu sais qui je suis? J'ai entendu parler de toi, ouais. Volan est mon meilleur ami depuis toujours, et tu lui as sauvé la vie. J'ai entendu dire qu'on organisait des combats ici. Ouais, t'as bien entendu. Tente ta chance si tu l'oses. Qui est mon adversaire? J'en ai curieux. Il s'appelle Grim. C'est un bûcheron qui passe son temps à se battre dans les tavernes. Il a tenté de gagner le championnat cette saison, mais... sans succès. Je suis prêt. Bats-toi sans pitié et avec honneur. T'as chier. Merde. Geralt, le voyageur, remporte le combat! Nom de Freya. Tu devrais affronter Valgard. C'est un adversaire redoutable. Je veux me battre. Bien. Fais-moi signe quand tu seras prêt. Je suis prêt à me battre. Tu te débrouilles bien. Olaf a de quoi s'inquiéter. Non, avant de commencer, je voudrais parler à l'étranger. Il faut à tout prix que je gagne. Pour ma douce Erika. Tu la vois là-bas? J'ai pas la moindre chance contre toi, c'est évident. Je me disais, tu pourrais peut-être me laisser gagner. Écoute, si je te laisse gagner, on le regrettera tous les deux. Mais il s'agit d'Erika. Tu comprends bien. Assez parlé. Battez-vous! Parlez, je... Alors, malais-foi. Oh!
L'étranger gagne le combat. Erika, attends. Laisse-la partir. L'étranger s'est montré digne d'affronter Olaf. Le champion de Skellige t'attend sur Hans Skellig. Mes respects, sorcier. Pourvu que ça ne grossisse pas. Un orage. Manquez plus que ça. Un adversaire. Tu vas affronter Olaf. Ça fait longtemps qu'il attend un adversaire digne de lui. Impressionnante, ton arène. Ça change des tavernes ou des coins de rue sordides. Birna Bran s'est montrée très généreuse avec nous. Elle a fait don de ses bijoux. Bon, où est Olaf? Tu le verras dès qu'il aura trouvé un adversaire. Je veux combattre Olaf. Le pugilat est une tradition ancestrale sur Skellige. Et sur Hans Skellig, c'est même une tradition sacrée. Pourquoi cette tradition est-elle si spéciale? Dun Sursus, un grand guerrier, vivait autrefois sur Hans Skellig. Il combattait des monstres à main nue. Le tournoi est organisé en son honneur. Je vais me battre comme si ma vie en dépendait. Comment tu t'appelles? Geralt de Rive. Geralt de Rive, entre dans l'arène. Si tu remportes le combat, tu gagneras l'honneur de défier le champion des champions. Les nantis du continent viennent faire les mots et après vous évacuez la terre. Le pugilat est une tradition sacrée. Le sang versé dans cette arène atteste de la force de notre clan. Aujourd'hui, seul le vainqueur sera champion. Mais tous les braves qui combattent sont déjà des héros. Et merde. Ah, qu'est-ce que t'es moche. C'était un beau combat, et une belle victoire. Il me reste d'autres adversaires à combattre? Tu as terrassé tous tes adversaires. Te voilà désormais champion des îles de Skellige. C'est un bel exploit. J'ai suivi vos exploits. Vous avez un potentiel énorme. Que diriez-vous de laisser tomber ces petits combats de rue? Vous n'avez jamais pensé à devenir professionnel? Je ne suis pas certain de bien comprendre. Je cherche quelqu'un capable de détrôner le champion des champions. Le titre est actuellement détenu par un homme de Skellige. À part vous, je ne vois personne d'autre capable de le battre. Dites-moi, est-ce que vous aurez le courage de faire voile jusqu'à Skellige pour affronter le champion des champions? Ça ne coûte rien d'essayer. Excellent! Rendez-vous sur l'île de Spikrug. C'est là que se trouve l'arène du champion des champions. Je vais le prévenir de votre arrivée. Au revoir! Sûrement celui que les gardes l'a fait venir.